l'école. Corentin est même en entrée du karaté parce qu'après l'école, le mardi, il a karaté. Et aussi le jeudi. Et aussi le jeudi, mais ça ce sera après-demain, peut-être qu'il sera encore entre du karaté comme aujourd'hui. Alors est-ce que ça s'est bien passé le karaté pour toi? Oui. Que de révision. Que de révision? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il faut savoir que Corentin a un spectacle de fin d'année au mois de décembre devant les parents, donc il s'entraîne dur. Tu as révisé les katas? Ouais, mais j'en ai révisé qu'un. T'en as révisé qu'un? C'était pas trop dur, non? Non, t'es trop fort, hein. Et aussi, Anne, toi, ça s'est bien passé, ta journée? Ouais, t'as appris plein de choses? Je crois que je vais gagner Kylian. Tu crois que tu vas gagner Kylian? C'est pas sûr. Ça m'étonne parce que Kylian, il est très fort au karaté, hein. Alors, les loulous, vous savez qu'on organise un concours? Oui. Et il y a eu un gagnant? Oui. Pour l'ouverture d'hier. Alors, qui est le gagnant? Mathis. Et sa sœur? Léa! Alors bravo à Mathis et Léa! Alors c'est un frère et une sœur. Alors je ne sais pas quel âge ils ont, mais bravo à vous! Bravo les loulous, vous avez gagné un super petit bonhomme Kinder! Et bien sûr, on en remet un encore en jeu aujourd'hui. Alors pour participer, ce sera simple. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra s'abonner. Oui, il faudra être abonné. Oui, c'est pour les abonnés. À répondre à la question en mail. Voilà, par mail, au mail qui s'affiche en bas et on vous posera la question quand? Dans les commentaires. Non, à la fin de la vidéo. Alors les loulous, on va vous poser la question à la fin de la vidéo, bien sûr. Et puis il faudra répondre par mail, au mail qui s'affiche en bas. Alors par contre, avant d'ouvrir le calendrier de l'Avent, on a reçu un petit courrier aujourd'hui. Hein, on était tout contents en train de l'école d'avoir un petit courrier surprise. C'est moi, je sais qui l'a envoyé. Alors, qui nous a envoyé un courrier? Stécie Lounette. Et oui, Stécie, vous avez déjà vu, on avait fait un swap avec elle à une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Stécie Lounette, le lien sera dans la barre d'infos. Et c'est pour ça que j'avais dit à maman que je la connaissais. Alors, elle nous a envoyé, il faut savoir qu'elle fait l'ouverture des PandaCraft. Non, on ne voit plus ma loulou. Ma loulou, toi, ben voilà, ça y est, on te voit mieux, coucou. Alors, il faut savoir que Stécie, elle fait l'ouverture de PandaCraft, elle est abonnée à PandaCraft, et elle avait reçu dans PandaCraft, des loisirs créatifs. Des petits trucs là qu'on voyait. Voilà, elle avait reçu tout un kit pour faire des décorations de Noël. Regardez. Et elle nous a envoyé gentiment, bah oui, tu peux montrer, même l'autre si tu veux, elle nous a envoyé gentiment aujourd'hui des petites décos de Noël qu'elle a fait elle-même dans une vidéo, d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Donc fais voir à quoi ça ressemble ma chérie. Alors moi j'ai décidé de prendre le sapin de Noël. Alors voici pour Océane, hein, ils se sont répartis les décorations. Alors ça c'est un sapin de Noël en bois. On ira écrire Océane derrière. Oui, moi si tu veux on écrira Océane, on voit un petit sapin de Noël crayon qui brille. Et en plus ça tombe bien parce que nous notre sapin il est bleu, il est de la couleur bleue les décos. Voilà. Et pour toi Loulou? Moi, ouais, c'est un sucre d'orge. Un petit sucre d'orge avec un petit bonhomme de neige ici qui brille. C'est trop choupinou. Merci Stécie. Vous dites merci vous? Merci. C'est trop loulou. Et d'ailleurs, Stécie, si tu regardes cette vidéo, eh bien, tu verras toute la période de Noël, tes petites décorations, juste derrière là où Océane vient de mettre. Et puis elle va mettre la deuxième. Merci Stécie. Franchement, on s'y attendait pas. Ça vous a vraiment touché. Et avec ça, qu'est-ce qu'on avait? Une lettre. Une petite lettre, oui, tu vas pouvoir lire. Je vais montrer aux amis le joli coloriage qu'elle a fait. Lui, voilà. Et derrière, c'était trop choupinou avec des petits cœurs. Et puis, on a aussi un petit timbre en haut. Donc, bah, tu peux le lire, Loulou. On finira à le colorier. Bonjour la famille, je vous aime bien. Peut-être que vous aussi. Je suis heureuse que... Peut-être on se rencontrera pour de vrai. À bientôt, je vous fais des gros bisous, Stécie. Alors, est-ce qu'on aime bien Stécie? Oui, oui. Et puis, bah, c'est pris le rendez-vous. C'est pris. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est marqué PandaCraft dessus. Donc, bah, merci, franchement, merci Stécie. Ça nous va droit au cœur. Avec des cœurs. On va garder ton super... Bah, on ira colorier les cœurs encore. Et puis, on passera à toi tous les ans. Parce que on ira écrire tous les ans les décorations. Maman, on ira écrire Corentin, Stécie et Océane. Ok les loulous. Alors, maintenant c'était la petite parenthèse parce que c'était inattendu, petit courrier. Donc on a dit on va faire un petit remerciement en vidéo.
Et maintenant, on va passer à l'ouverture du câlin. Tiens, on fait d'abord. Eh oui. Voilà. Et regardez derrière. Voilà. On a rajouté de la déco encore avec une petite étoile qui s'éclaire. Est-ce que c'est beau? Et on a rajouté à la place de mettre l'ange, on a rajouté la chaussette de Corentin. Et oui, la chaussette de Corentin, mais vous jouez à l'école. Alors on loue ce calendrier? Oui. Alors, c'est la case numéro 10, c'est ça? Non, la case numéro 5. Oh là là, je comprends. Oh mince, j'ai ouvert la case numéro 7. C'est vrai? Non. T'es nul. T'es trop nul. Ah, Sam, est-ce que tu trouves le 5? Ouais, mais le problème. Ah, oh! Quoi? Des petits panépis, c'est tout. Oh, oh, tu es trop beau! Oh, tu es rose. C'est pour moi! C'est pour moi! C'est pour moi! C'est pour moi! Non! Alors, les amis, regardez ce que Corentin a eu. Il a eu des Haribo. C'est pour la vie, pour les grands et les petits. Sous. Ouh là 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 là. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui parlent allemand dans les commentaires? Dites-moi le si je le prononce bien. Yeah, une bague, une bague. Donc, c'est Sous Weihnachten. Alors, pour ceux qui parlent suisse, on sait qu'on a des... qui parlent allemand. On sait qu'on a des Belges, on sait qu'on a des Alsaciens. Peut-être même des Allemands qui nous regardent en vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien prononcé. Comme un abonné qui est alsacien. Oui, on a un abonné qui est alsacien, oui. On a même plus d'un. Et on a même Stéphanie, si elle nous regarde. Bisous à toi. Alors, Corentin a reçu donc des Haribo. C'est au Coca. Et c'est en forme de petit bonhomme en pain d'épices. Regardez derrière. Alors, c'est une édition spéciale Noël. Donc, c'est des... Oula. Weihnachten. Bon. Dites-moi le, je pense que je prononce très mal. Donc tiens mon loulou. Et pour toi Sam, donc j'ai vu que c'était la folie. Qu'est-ce que tu as reçu? J'arrive pas à enlever ça. T'arrives pas à enlever ça? Oh, mais c'est trop beau, dis-moi. Une bague. Une bague. Mais pas que. C'est une bague assez spéciale. Alors je lui enlève le petit tocotou collant qu'elle va enlever. Ha-ha. Et je vais montrer ce qu'elle a eu. Elle va être très contente parce qu'elle n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Donc c'est une bague, une grosse bague. T'as un gros diamant, dis donc, toi. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, il y a du... Oh, wow! Oh, tu l'as pas vu, je l'ai vu au Noël. C'est trop beau, les amis. Oh, regarde, c'est du gloss avec des paillettes. Ils sont trop bons. Regarde, ma chérie, tu vas l'ouvrir. Oh, oui, mon chéri. Wow! C'est trop bien ça! Il est beau hein! C'est pour mettre avec tes déguisements comme ça! Oui! Avec le déguisement d'aurore! Oui! Parce qu'il est rose! Ah oh, puis oui! Et alors ça te plaît? Et après, ça je crois que c'est sa surprise préférée jusqu'à maintenant! Alors fais voir un peu de ça! Moi j'ai hâte d'avoir! Des petits bonhommes en bas! Des petits bonhommes en bas d'épices! Ah regardez les amis! Oh ils sont trop choupinous! J'adore! Ils sont vraiment trop mignons! Trop mimi! Et c'est comme c'est le goût des bouteilles de coca! Ouais, mais c'est trop beau. Ils sont trop beaux, ils sont tout petits, j'adore. Et toi, Océane, tu as eu quoi aujourd'hui? Dans le calendrier Haribo? Et en blanc. En blanc, mais ça se détaille mieux. En blanc, ça se détaille mieux? Pareil ouais. Et pour les blancs, pareil. Ça se présente comme ça. Effectivement, on voit mieux les détails dessus. C'est trop beau. Pareil, et pour Océane, bah, c'est un... Moi, j'en ai des marrons aussi. Oui, pas comme Corentin. Alors, Océane aussi, c'est un petit sachet de bonbons comme son frère. Exactement le même. Ensuite, t'as eu quoi dans tes Playmobil? Regardez. Tu sais pas? Oui, il mange des bonbons, mais il loupe pas le calendrier. Gros gourmand. Gros gourmand. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les billets. Des billets? Des billets? Il y a papa. Ah, il y a papa qui arrive. Alors, les amis, on a été interrompus, désolé, parce que papa arrive du travail. Et bah, c'est ça, hein, on fait une vidéo après l'école, donc c'est des aléas. Oui, ma chérie. Alors, Corentin, il a eu des billets. Mais comment ça, des billets? Des billets de Monopoly? Des billets pour acheter des bonbons? Non, des billets pour jouer. Le voleur. Et voici ce que Corentin a eu. Des petits billets de 20 euros, 10 euros, 200 euros jusqu'à 500 euros. Parce que c'est... Ah, mais derrière aussi. Hein, c'est devant et derrière. Parce qu'il faut savoir que c'est sur le voleur qui vole un coffre-fort. Voilà pour la petite surprise de Corentin qui complète la collection
du voleur et de la police. Alors les loulous, on a fini d'oublier le calendrier, on a fini d'oublier les colliers, on a donné le nom du gagnant. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, la question. Eh oui, la question. Regardez. Oui, ma chérie, ils sont trop mimi. Alors, la petite question. Alors, moi, j'ai la petite idée sur la question. Moi, je l'ai pas. Moi, je sais. Je peux dire. Non. Vas-y, dis, Océane, et après, on verra si j'ai mieux. De quelle couleur était mon gloss dans ma bague? Ah oui, très bonne question. Donc répondez par mail à la question de quelle couleur est le gloss d'Océane. On l'a montré. De quelle couleur est le gloss dans la bague d'Océane qu'elle a reçue aujourd'hui? Et n'oubliez pas le petit mot qu'il y a après. Ah, bon bah... Ouais, je ne sais pas quel mot. Ah, vous précisez vraiment ce qui est quelle couleur? Quelle couleur? Et avec... normalement, il y a un autre truc au lieu de la couleur. Ok, bon, bah vous avez entendu Corentin, vous avez entendu Océane. C'est à vous, précipitez-vous sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran. Par exemple, fluo, pailleté, vous voyez des mots comme ça. Je crois qu'il vous en dit beaucoup, Corentin, t'es gentil. Hein. Ah. Bon, les amis, c'est bien fini cette vidéo. Bravo à Mathis et sa sœur. Bravo, Eléa. Et on va vous faire des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas tout mangé. Bonne chance aux futurs participants pour le jeu concours pour gagner encore une fois ce bonhomme Kinder. Et si vous avez aimé, qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant, des pouces vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo,